Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons nous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année avec plein de cadeaux au pied du sapin que l'on peut réaliser virtuellement avec Unreal Engine. Ici, on va voir comment, avec un blueprint de level, un level blueprint, on peut venir rajouter des objets, lancer des FX avec Niagara et combiner l'ensemble pour obtenir un visuel de départ ici avec le begin play du level que l'on peut donc lancer au départ et ensuite on va pouvoir se déplacer dans le level pour aller voir nos cadeaux de plus près bien entendu. Donc pour faire ça, eh bien, on va venir donc travailler principalement sur le blueprint du level. Donc pour ça, eh bien, on a donc ici blueprint et on a la possibilité donc de faire open level blueprint. C'est un blueprint qui est par défaut. Autrement, je rappelle juste pour info que bien entendu, on peut créer des blueprints sur dans le content, un browser. Alors je vais redescendre mon content ici. Voilà. Ok, c'est plus pratique pour ouvrir les objets. Et on va bouton dans la souris. Ici, bouton dans la souris par exemple. Et blueprint class. Et on a différents types de blueprint, actor, pawn, et ainsi de suite, que l'on peut donc générer. Donc ça c'est pour les différents types de blueprint class, et puis on a une classe donc de blueprint de base qui est le level blueprint ici. Donc le level blueprint va nous permettre donc de pouvoir créer donc un schéma de réalisation d'objets que l'on va pouvoir mettre en place soit au moment donc du lancement du level, comme c'est le cas ici avec la fonction Event Begin Play. Donc par défaut, en fait, ce que l'on a, c'est qu'on a deux nodes qui sont placées donc dans l'Event Graph ici. Donc on n'a qu'un Event Graph dans le blueprint, dans le level blueprint, hein, on n'a que l'Event Graph. Alors que dans un blueprint, je prends l'autre ici que j'ai créé, BP cadeau, blueprint cadeau, on a donc le viewport, construction script et l'Event Graph ici. On a trois onglets. Donc dans level blueprint, on n'a que l'Event Graph qui va nous permettre, donc comme son nom l'indique, de créer des événements. Donc on a par défaut deux événements qui sont, enfin deux événements, deux fonctions qui sont proposées ici. Donc deux events, l'event begin play ici et l'event tick. Donc event begin play, comme son nom l'indique en anglais, ça va, et l'information donc ici de la vignette va commencer quand on va lancer donc l'acteur ici le level. Et puis l'event tick va répéter donc à chaque frame ce qu'on va lui mettre ici en place. Donc ici on a choisi de faire un begin play. On pourrait faire un event tick avec un délai, comme on va le voir, on le met en place le délai aussi, pour venir donc répéter par exemple l'apparition d'éclairs, de formes ici qui apparaissent avec les cadeaux. Ok, bon, on va commencer avec les Vin Begin Play ici et on met un node séquence. Donc le node séquence est très intéressant parce qu'il permet de lire, comme son nom l'indique, en séquence, c'est-à-dire les unes après les autres, des exécutables, donc des lignes d'exécutables, 20, 0, 1, 2 et 3, et ainsi de suite, au fur et à mesure. Donc la première chose que l'on va créer, en fait, visuellement, ce qui apparaît en premier, si on relance, donc on fait play, ici, ce qui apparaît en premier, c'est l'effet fait avec Niagara, d'explosion visuelle, sous la forme de petites étoiles ou d'éclairs, des choses comme ça. Et après, c'est les cadeaux qui apparaissent. Donc on pourrait penser que dans le séquenceur ici, on va stopper, dans le séquenceur, le séquence ici, on met en premier donc l'éclair. Et ensuite, on met donc l'apparition des cadeaux. On verra comment on les construit assez simplement du reste ici. Donc, je rassemble un peu mes différents éléments. Et en fait, non, pour des raisons donc d'éléments dans le level, il faut d'abord faire apparaître donc enfin appeler plutôt appeler donc soit un static mesh.
Donc on a plusieurs solutions. Ici, c'est un blueprint classe que j'appelle cadeau, parce que j'ai mis en place plusieurs cadeaux, on va le voir ici. Mais on peut très bien appeler un seul cadeau. Alors si j'appelle un seul cadeau par exemple, je prends donc ou un seul donc static mesh, hein, ici c'est des cadeaux. Bon, je prends la boîte ici et je fais drag and drop et je la pose ici et j'ai donc directement add static mesh component. Donc je le remplacerai par add child. Je remplacerai actual actor component par add static component. J'aurai qu'un cadeau qui apparaît. Et donc ce cadeau, il est ici. Hop, je vais ouvrir un peu. Ici. On peut venir éventuellement le changer ici dans le panneau static mesh si on n'est pas, on s'est trompé de mesh et donc de cadeau dans notre cas de figure, on viendra le changer. Donc il faut appeler donc avec add static mesh component le static mesh ou le add child actor component, le BP class que j'ai créé. Donc pour créer le BP class, donc ici que l'on voit donc dans BP cadeau, c'est ce que j'ai fait ici. Ça m'a permis de faire une composition de cadeaux qui apparaissent directement au pied du sapin, bien entendu. Et ça permet deux choses. Ça permet d'abord de gérer donc un ensemble d'objets qui peuvent apparaître directement comme j'ai fait simplement ici. Mais on peut très bien imaginer, parce qu'on peut faire donc un event graph ou un construction script, où ici on va faire apparaître les cadeaux un par un avec donc par exemple event begin play ou des choses comme ça. Ok. Donc ici ils apparaissent tous en même temps. Le blueprint m'a permis de faire la compo. Donc ici on fait simplement donc le blueprint est ici, un BP cadeau. Ici on fait bouton dans la souris, blueprint class et on fait donc actor ici et ça va permettre de créer donc un nouvel actor, un nouveau voilà BP. Donc je mets BP. Cadeau plus ici. Ok. Et donc à partir de là, de manière assez simple, je double-clique dessus pour montrer comment j'ai réalisé ça. On a donc le route ici du BP et on peut venir donc prendre les static mesh dans le Content Browser et venir donc les poser ici au fur et à mesure. Donc hop, le premier, il faut resélectionner Default Send Route pour que les autres viennent dessus aussi, voilà à la suite. Et donc ensuite, on n'aura plus qu'à les déplacer pour les positionner, voilà simplement par rapport donc à ce que l'on veut donc obtenir. Ok, on compile, save et donc BP cadeau, je l'ai réalisé comme ça. Ce qui fait que ensuite, on n'a plus qu'à, oups, j'allais fermer tout. Je reviens sur ma map ici donc sur le level blueprint et j'ai plus qu'à faire drag and drop BP cadeau ici et j'ai ce node donc actual actor component qui apparaît qui me permet d'appeler donc le blueprint. Ensuite ce que je fais comme il est appelé que je veux pas qu'il apparaisse tout de suite, je fais un set visibility, la fonction set visibility, et je coche pas new visibility de telle manière qu'il n'apparaisse pas justement. Ok, à partir de là donc j'ai ma première séquence. Ma deuxième séquence d'exécutable, ça va être donc un délai, on va attendre 3 secondes ici pour lancer donc le level et attendre l'arrivée donc des éclairs et de l'élément. Et donc on a construit quelque chose qu'on pourra voir dans un prochain tutoriel avec Niagara. Donc on fait un Add Niagara Particle System et on vient donc appeler l'élément qui nous intéresse, donc ici directement. On peut de la même manière faire un drag and drop et on a un Niagara Particle System qui apparaît dans le blueprint, dans le level blueprint, comme on l'a fait Agile Actor Component. Donc ça, c'est assez simple. Comme ça, on n'a pas à chercher la fonction. On fait drag and drop directement et on a le add qui correspond, qui vient. J'ai mis un délai devant ici et donc j'ai ma deuxième séquence. Donc là, l'effet Niagara va se lancer, ce que l'on voit. Et ensuite, j'attends un petit délai que le Niagara se lance pour donc 3, 4, 1 seconde de plus tard faire. On a un nouveau délai et on a donc le set visibility que je vais récupérer donc le return value ici pour le faire correspondance que c'est le BP cadeau ici connecté sur le set visibility target et new visibility coché. Les cadeaux vont apparaître à ce moment-là. Et puis au final, après un délai donc encore d'une seconde, je relance donc un deuxième
Niagara, et donc je peux combiner des choses, voilà, à partir de là, je peux combiner des choses, faire éventuellement redisparaître les cadeaux, pourquoi pas, avec un set visibility décoché, ici, à ce niveau-là. Compile, save, ici, ok, et on va pouvoir donc revoir ce que ça donne. Donc on va avoir donc effectivement au lancement donc du level, on a donc les éclairs, les flashs, les petites lumières, et on a les cadeaux qui apparaissent ensuite au moment où on veut. Encore une fois, on pourra le voir dans un prochain tutoriel, travailler donc maintenant sur le, c'est ça aussi l'intérêt, sur le BP cadeau ici, pour que les cadeaux apparaissent d'une certaine manière, ou en mouvement, ou autre, selon ce que l'on va pouvoir donc réaliser, par exemple dans le construction script, ou dans l'event graph ici, à un moment donné, le faire donc apparaître de manière différente que directement comme ça. Ok. Voilà donc un peu pour s'amuser avec le level blueprint, où on peut donc avec l'event begin play donc faire apparaître. Après, on pourrait prendre l'event tick pour venir connecter donc avec un délai. Donc on aurait pu très bien faire ça, par exemple, hein. Et donc à chaque frame, on va avoir un délai et puis Niagara qui va se lancer et ainsi de suite. Donc ce qui va permettre donc d'avoir une certaine répétition donc voilà, d'avoir une certaine répétition donc dans la réalisation de l'effet Niagara, si on veut qu'il y ait des flashs par exemple, et donc on pourra sur notre level, je ne sais pas, venant d'en haut, avoir des flashs de lumière, des choses comme ça, qui pourront être gérés avec l'event tick par exemple. Voilà donc une première approche donc sur l'event begin play pour faire apparaître des formes Niagara ou des objets static mesh dans la scène au début avec donc l'event begin play. Ok, et donc voilà plein de cadeaux qui apparaissent virtuellement, bien entendu. Et on se souhaite donc de joyeuses fêtes de fin d'année avec ce dernier visuel.